Bon les gars, il faut absolument que je vous montre quelque chose. Je pense que vous allez être choqués et vous risquez d'adorer. Il y a quelques semaines, j'ai découvert une chaîne YouTube assez spéciale qui est pas du tout connue en France, qui fait des vidéos sur Fortnite ultra stylées. Vraiment, c'est un concept que j'avais jamais vu, je trouve ça incroyable, je dois absolument vous le montrer. Pour cette petite vidéo réaction du dimanche, prenez bien un petit truc à boire, quelque chose à grignoter, posez-vous avec moi. On va passer du bon temps, je pense que vous allez kiffer. N'oubliez pas comme d'hab de vous abonner, mais aussi de mettre le code créateur OISZZ. Il y a 4 ZZ au total. Et puis bah, on est parti, let's go. Le YouTuber en question s'appelle Brux, il a que 440 000 abonnés et il fait des concepts incroyables. Franchement, vous avez jamais vu ça. Par exemple, ici, il dit qu'il a hit ce clip sur Google Maps. On va regarder. Donc là, on voit la terre. Franchement, vous allez voir, c'est super bien fait. Il descend, il arrive sur une rue. Ok. Là, pour l'instant, c'est Google Maps, rien de plus classique. Il regarde un petit peu partout et là, déjà, on voit un build fight. Tu te dis, mais what the fuck, le montage de Zinzin. Il tire sur un mec qui est un peu au loin. Regardez, il y a un fight dans Google Maps. Et encore, ça, dites-vous que c'est pas vraiment la vidéo la mieux faite. Là, il avance. Au moins, il peut bien voir le team fight. Et voilà. Il y a eu un shiton dans Google Maps. Oh, il y a une petite coupure. Oh, le décor a changé. C'est tellement bien fait là maintenant, c'est la première personne. Oh là 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 là, la dinguerie. Wesh, en plus, il est chiant en edit. Il a 3 fois le niveau du montage. Ah, chavé, ça, mère, chavé. Incroyable le clip. Oh là 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 là. Dinguerie. Et ça, c'est une vidéo parmi tant d'autres. Ici, si Fortnite était fait en Lego. Ok, donc ça commence avec le bus en full Lego. Oh, Dusty Depot. Regardez le skin et tout. Mais comment vous pouvez me dire que ça, c'est pas incroyable? Regardez-moi ça. J'ai hâte de voir un fight. Ok, il a trouvé un pad. Il l'a pris. Oh là là, c'est beaucoup trop stylé. Moi, pour être honnête, quand j'étais petit, les Lego, ça a pas vraiment bercé mon enfance. J'étais de la team Playmobil, moi. Ok, les construits. Oh, oh wesh, il est trop chaud. C'est trop bien fait, vraiment, full, full Lego. Triple edit. Ah oui. Oh là 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 là, c'est dinguerie. Regardez ça. Je me demande vraiment comment il fait, par contre, ça m'intrigue. Et il la chitonne. Comme par hasard, c'est un ZDFR en face. Ça m'étonne même pas. Est-ce que je peux edit rapidement sur une 3DS? Oh là là. Eh, qui a connu les Nintendo 3DS? Genre ça. Mettez un pouce bleu si c'est votre cœur. Ça commence. On peut voir une 3DS modée, apparemment. Ok. Donc là, il a le stylet, on voit qu'il bouge. Apparemment, ça suit l'écran. Je sais pas si c'est fake ou si c'est vraiment fait sur une 3DS, mais bon, en tout cas, le montage est vraiment bien fait. C'est un montage. Ok. Eh, hey, il est chaud, hein. Vous pensez qu'il y a combien d'FPS sur cette plateforme? Moi, je pense qu'il y en a genre 3-4. Mais incroyable. Oh là 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 là. Le monteur, il va encore complexer le pauvre. Mais sérieux, hein? Oh, c'est trop stylé, vraiment. La dinguerie. Brux, si tu passes par là, je suis fan de toi. Il a essayé de freebuild, mais regardez, il peut pas. C'est trop compliqué. Ok. Des vidéos originales et surprenantes, il y en a plein d'autres. Là, regardez, il va éditer en même temps sur deux claviers souris. Il dit que ça lui a pris 6 mois pour progresser et savoir jouer sur deux PC en même temps. Eh vas-y, je veux trop voir ça. Ok, donc là on les voit là comme ça. Ah, c'est des trackpads. Voilà, il a même des gants sur ses doigts, regardez. Oh là là, mais wesh. Oh, regardez. Mais wesh, mais ah, c'est une dinguerie par contre. Il est tellement synchro. Mais what the fuck. Le frérot, il peut faire de la duo à lui tout seul. Mais c'est incroyable. Les gens qui ont du talent comme ça, ça me sidère. Hop, allez, petit pouce bleu. Ce que je vais vous montrer là, c'est cette vidéo. C'est l'une de mes préférées. Admirez. Il dit qu'il a mis ce clip sur un flipbook. C'est un petit livre. Le mec, en plus d'être chaud en montage, il est très bon dessinateur. Admirez. Donc on va mettre Fortnite. Et regardez, ça va commencer. Ça va faire image par image. On va avoir un clip. Donc là, il est tranquillement avec son skin. Il met des coups de pioche. On a même le bruitage. Il met un sol qui se construit. Il avance tranquille. Oh, petit 90. Là, il triple edit et tout. Oh, mais ça va tellement vite. Mais regardez comment c'est stylé. Dites-vous qu'il a dû dessiner image par image pour que quand on accélère comme ça, ça rentre bien. C'est un truc de malade. Et là, il a même fait le kill. Genre, les détails, ça me choque. Là, je pense que vous comprenez mieux pourquoi je voulais absolument vous montrer cette vidéo. Là, il a le plus rapide toaster de Fortnite. Ok, il met ses tartines dedans. Il appuie. Regardez, ça édite. Incroyable, regardez-le. Regardez la cam en haut à droite, elle me foudroie. La musique qui va avec et tout, non, c'est vraiment un crack. Oh, ça enchaîne, hein. Waouh. Ah, il est fort. Il est vraiment fluide pour le coup. Après ça, bien évidemment, je pense pas que ce soit vraiment un cartoaster, mais bon. L'idée est là. Il le casse à la fin. Fortnite, mais en réalité virtuelle. Je veux voir ça. Ok, donc là, il est en train de se lever. Ok, on voit ses mains. Il va ramasser une pioche, mais non. Oh, incroyable. Là, du coup, il y a de la pierre, il va farm. Ah ouais. Ah, mais ça, c'est bûcheron simulateur. C'est pas Fortnite, en fait. Hop, il ramasse le bois. Oh là là, mais wesh. L'animation de fou. Il va construire. Oh, mais je me demande, ça prend combien de temps pour créer une telle vidéo? Moi, je pense au moins 2-3 semaines, hein. Oh, il fait des extens, la dinguerie. Alarme peut-être? Ah oui. Oh, c'est bien fait ça aussi. Regardons-moi les balles. Là, ici, il a joué à Fortnite sur le plus gros setup. Regardez la mini. World Biggest Skateboard Self-Made. Ça veut dire qu'il l'a fait lui-même. Ah oui. Non, mais la taille des touches. Mais wesh. Oh là 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 là. Oh la dingue. En plus, il est fort. C'est ça qui me sidère. C'est qu'il y a des mecs qui sont comme ça forts en montage et en même temps forts sur Fortnite. Ça, je sais pas faire ça. Oh là là. Mais la réactivité du mec. La dinguerie. Ce qui me choque le plus, là, je pense, c'est la NK. Regardez, petit zoom là-dessus. Il bouge les doigts partout. En plus, il a une petite main, le poteau, hein.
Ouf, le chiton. Bah, il a fait une descente de tour. Oh là là, aucun fail. Et bah, juste ici, regardez, Fortnite sur le plus petit setup maintenant. Le plus petit setup du monde. Ah ouais, même l'écran, il est minuscule. Oh, mais c'est un truc de fou. Regardez ça. Oh là 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 là. Je pense qu'avec son doigt, il peut toucher 2 ou 3 touches en même temps. Il enchaîne bien. Je pense que sur ce genre de clip, il y a moyen de savoir si c'est vrai ou fake. Pour moi, c'est fake, mais bon. L'animation est quand même vraiment stylée. Hein. Il est trop trop chaud. Les gars, dites-vous que des vidéos comme ça, c'est satisfaisant. Je pourrais en regarder des centaines d'affilée. Gros pouce bleu pour lui encore. Si Fortnite était fait en 2D. Ok, donc là, ça commence du bus. Il a sauté. Pour ceux qui savent pas ce que c'est la 2D, c'est simplement en 2 dimensions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la perspective comme sur Fortnite. En fait, c'est un peu bah, horizontalement comme ça, quoi. Ok, donc là, il ramasse une arme. Il se déplace. Il y a que des bugs, ça me fume. Oh, wesh, carrément déconstruit avec des edits. Oh, oh j'adore. Wesh, ça serait tellement stylé en vrai de vrai. Là, il rentre dans un bâtiment. Il monte à l'étage. Il est encore en train de se battre. Il reprend le mur. Il édite au-dessus. Oh, il arrive à foutre des shitons là-dessus. Oh là là. Franchement, je sais pas quoi dire. Cette vidéo a 2,2 millions de vues. Il a fait ce clip sur Microsoft Paint. C'est un petit peu comme tout à l'heure avec le livre. On regarde ça. Il y a Paint et Fortnite. Ok. Ah, il mélange les deux. Checking Fortnite. Ok, là, c'est le menu de chargement. Mais non, il a le skin Ruby. Ah, vas-y, il me descend un peu là. Oh, mais comment c'est trop bien fait. Mais mais pour animer du Paint. Mais oh, le travail de fou encore. Là, il se promène. Il y a un mec. Qu'est-ce qu'il y a à mettre comme clip? Oh là là. Mais ouais, ça va trop vite. Je comprends pas. Mais je comprends pas. Oh, incroyable. Paint Royal. Bravo. Deux vidéos exceptionnelles comme ça. Il y en a plein. Regardez par exemple. Fortnite a dead advanced editing. Vas-y, le monteur traduit pour voir là. Mais toi, t'es vraiment nul en anglais. Ça veut dire Fortnite a ajouté l'édition avancée. C'est simple. Ouais, c'est ça. Ouais. T'as été sur Google Traduction, je te connais. Non. Alors là, il y a un mur. Wesh, le nombre d'édits. Il y a 36 édits possibles au lieu de 9. Oh, mais c'est trop bien fait. Eh, hey, en vrai de vrai, ça serait incroyable ça sur le jeu. Premier degré. Ça ajouterait tellement de mécaniques. Ça serait 10 fois plus skillé. Alors que là, déjà, Fortnite, c'est super skillé comme jeu. Oh, mais wesh. Oh, la dingue, le carré comme ça. Oh, j'adore. Ça, pour le coup, ça serait vraiment incroyable. Regardez-moi ça. Tu peux éditer dans tous les sens. Comme il veut et tout. Mon dieu. Epic Games, j'espère vraiment que vous avez regardé cette vidéo. Bon, les fans de Minecraft, cette vidéo va vous plaire. Si Fortnite utilisait les construits de Minecraft. Il y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo Minecraft sur ma chaîne secondaire. Alors maintenant, je connais. Ok. Ah, regardez, c'est des blocs en fait. C'est juste ça. Il y a plus de construits normal. Ah, en vrai, ça pourrait être stylé. Je suis sûr qu'avec le créatif 2.0, ça serait faisable. Mais il y a carrément des escaliers et tout. Imaginez une sky base en bloc Minecraft. Ils sont tellement forts, ça serait dur à toucher. Hein. Non, j'adore. Ok, là, il monte encore. Oh là là. Oh, wesh, il est chaud. Franchement, il fallait y penser à cette idée. Si Fortnite avait été publié sur PlayStation 1, ça a presque 1 million de vues. On va regarder ça. Oh là 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 là, déjà les vieux graphismes et tout. La PlayStation 1, c'est vraiment une antiquité. Là, il y a le chargement. Ah oui. Oh, mais c'est trop bien fait. Ça pourrait vraiment être le cas pour le coup. Pour être honnête, j'ai pas connu de la PlayStation 1. J'y ai jamais joué. Moi, j'ai commencé sur la PlayStation 2. Mais par contre, j'ai déjà vu des gens y jouer et tout quand j'étais plus jeune. Oh, là, les construits. Ah oui. Eh, hey, comment ils courent, ça me foudre. Là, ils montent bien. En vrai, c'est triste que ça fasse que 1 million de vues vu tout le travail que ça doit lui demander. C'est pour ça que j'ai voulu en faire cette vidéo parce que déjà, je sais que ça peut vous impressionner. Et surtout, ça peut aussi lui donner un peu de visibilité. Il mérite. Tout à l'heure, on a vu avec les blocs de Minecraft. Là, on va voir carrément un clip sur Minecraft. 3 millions de vues. Ça a l'air d'être un banger. Ok, donc là, déjà, son skin. Bah, c'est un perso de Minecraft. Regardez également son stuff. Ce qui est cool, c'est qu'il a gardé la TH par contre. Oh, ah, mais c'est à côté de Dusty Divo. Ça, je connais. C'est pas loin des usines et ça le dit. Ok, oh, c'est super bien fait. Du coup, là, tu farmes du bois de Minecraft. Ok. J'ai hâte de voir le clip. Oh, le mec est là-bas. Oh, les construits Minecraft et tout. Oh, mais j'avoue que ça serait incroyable. Ça sera un crossover de fou. Fortnite, Fit, Minecraft. Regardez ça. Et là, tu pioches. Oh, la dinguerie. J'adore. Là, il repart en triple edit. Par contre, les blocs sont tellement gros. Des fois, je comprends pas trop. Ok. Ah, il y a un zombie qui le suit. Et il est mort. Repose en paix, soldat. Si Fortnite publiait des nouvelles constructions. Vu la miniature, ça donne envie. Qu'est-ce qu'il nous a créé cette fois? Ok, déjà, bah, une genre de bulle. Ah oui, des doubles escaliers. Regardez ça. C'est une tente, en fait. Ah, c'est un arbre. Wesh, une boule. J'adore les boules. Quoi? Ah, là, tu peux mettre une boule sur le toit. Ça me fume. Oh, j'avoue que c'est super skillé. Par contre, en plus, là, il a fait en mode performance pour changer un peu. Oh, regardez le solo build de fou. Ah, mais wesh. Oh, la dingue, des extend comme ça. Ah, ouais, ça a du potentiel en vrai, son build. Hein. Là, il enchaîne. Ah, c'est trop beau. J'adore. Pour l'instant, il n'y a pas une vidéo qu'on a regardée qui m'a déçu ou qui était moins bien que les autres. En fait, elles sont toutes différentes et fantastiques en même temps. Bravo, encore une fois. La dernière qu'on va regarder, c'est celle-ci. Elle a fait à peine 90 000 vues. Si Fortnite était un animé opening. Là, les gars, je vous préviens, je connais pas tous les animés. Ça va être à vous de me dire si c'est bien fait ou pas, d'accord? Je compte sur vos commentaires. Hop, on regarde. Ah, ouais, déjà la musique et tout. Oh là là, je sens que ça va être un montage de fou. Oh, trop stylé les écritures chinoises. Eh, moi j'en ai jamais vu, mais je sais que ça ressemble un peu à ça quand même. Ah oui, la tempête. Oh là là. Juste, ça serait quoi l'histoire de Fortnite si ça avait été un animé? Ça, c'est vraiment une question que je me pose pour le coup. Ah oui. Oh, il fait flipper, je l'ai si. Avec toutes les edits de constru. Non, eh, pour moi, en tant que novice, je trouve ça vraiment bien fait. Après, les experts d'animé, j'attends vraiment vos avis en commentaire. Fortnite Battle Royale. Masterclass. C'est ainsi que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Franchement, j'ai pris une claque. Je savais pas que c'était possible de faire autant de trucs stylés. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez kiffé. Pensez à laisser un petit pouce bleu au code créateur WASDZ surtout les gars. Il y a de moins en moins de soutien et franchement c'est important pour moi pour la continuité de la chaîne. Si vous voulez qu'il y ait autant de vidéos, bah je compte sur vous. Soutenez avec le code. Des bisous, ciao.